Hola, bonjour, bienvenue sur Chris and Cree. Nouvelle vidéo, c'est parti. Je me présente pour les gens qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Chris Lane, j'ai 20 ans. En ce moment, je garde des enfants. Je travaille dans ce domaine et je veux faire des trucs dans ce domaine. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler et faire un bilan sur tout ce qui s'est passé niveau kyste pilonidale pour moi. Pour que vous ayez un récapitulatif en fait de cette vidéo, n'importe quoi, de cette histoire quoi. Aujourd'hui, alors que je filme, on est le 3 février, je pense que cette vidéo, je la publierai quelques jours avant ma deuxième opération, oui, parce que du coup, je vais me faire réopérer. Mais pour en revenir au début de l'histoire, je me suis fait quelques notes avec quelques dates, enfin quelques, beaucoup de dates que je vous mettrai à côté pour que vous pouvez suivre la chronologie de l'histoire du coup. Donc, toute cette histoire de kyste pilonidale a commencé réellement pour moi au mois d'octobre. Le kyste pilonidal, ça se situe au niveau bas du dos, sinus interfessier, bref, c'est très glamour, c'est très voilà. Au départ, c'est très gênant de parler de ça, mais bon, je m'y fais, on va dire. En tout cas, on va commencer maintenant pour pas que la vidéo dure 4 plombes et que vous avez direct toutes les informations. Donc, ça a commencé pour moi le mardi 1er octobre 2019, donc du coup ce jour-là j'étais partie aux urgences parce que j'avais tellement mal que je pouvais plus marcher, clairement. Je marchais à 3 à l'heure, un trajet que je faisais en 5 minutes, j'ai mis 1 heure, tu vois, le rythme des pas. Je vous mettrai les vidéos parce que j'avais partagé sur Insta, peut-être que j'incrusterai la vidéo à l'allure que je marchais. Voilà. Ensuite, donc du coup, aux urgences, on m'a reçu, on m'a examiné. Ils m'ont dit de revenir demain, le matin. Je passe au bloc. Et moi, bien dégoûtée, en mode putain, je voulais pas passer par cette phase-là. Parce que j'ai pas dit, mais en avril, j'avais déjà eu des douleurs, mais c'était parti. Et je me suis pas plus inquiétée que ça. Et c'est revenu au mois d'octobre, en fait. J'avais le seum. J'espérais que ça allait partir et que ça allait pas m'embêter. Ensuite, on se retrouve donc mercredi 2 octobre, je passe au bloc, je suis arrivée à 7h le matin et finalement il y a eu plein de complications, plusieurs césariennes d'urgence, donc je suis passée le soir et au final j'ai passé la nuit là-bas. Comment vous dire que j'étais au bout de ma vie, je comptais pas dormir là-bas mais finalement bon ben, ça a fait que j'ai dû dormir là-bas puisque je me suis fait opérer assez tard. J'étais sous péridurale, donc anesthésie locale, j'étais réveillée. Ça m'a beaucoup stressée, mais énormément stressée, puisque j'avais déjà eu une opération en 2017 de kyste ovarien droit. Je vous mets le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et j'étais sous anesthésie en fait générale, donc ça m'a pas stressée vu que j'étais pas là quoi, je dormais clairement. Et là, le fait que ce soit sous anesthésie locale, enfin péridurale et tout, ça m'a stressée. J'étais là en mode mais purée, je vais sentir et tout, j'avais trop peur. Et heureusement que l'anesthésiste m'a super rassurée, il y avait un infirmier super sympa et tout, franchement trop gentil. L'infirmier, je me rappelle, il s'appelait Steve. Et mon grave, tu vois, mais oh là là, j'avais tellement peur. Mais bon, ça s'est bien passé, plus de peur que de mal. Et au final, ouais, je suis rentrée du coup le lendemain. Après, ouais, j'ai eu les soins à la maison avec l'infirmière, donc j'ai eu des mèches d'à peu près cette taille-là, mais quand même assez fines, comparé à la vraie opération où ils t'enlèvent le kyste en fait, la plaie sera plus grande apparemment. Moi je pensais qu'ils allaient m'enlever le kyste maintenant, mais en fait, il m'a pas enlevé, je vous expliquerai par la suite. Donc oui, les mèches, ça faisait mal dans les premiers jours, mais après, ça a été. Bon, c'était un peu long quand même. Enfin, long. Ça a duré un mois, une semaine. Bref, on continue sur les dates pour pas que je m'en mêle. Donc, du coup, j'ai eu un rendez-vous post-opératoire le 7 octobre, donc à peine une semaine après. Puis un autre rendez-vous 2 semaines après, le 21 octobre 2019. Et j'ai repris le travail le 4 novembre. Donc, je me suis fait opérer le 2 octobre. Et j'ai repris le travail le 4 novembre, mais j'avais eu un arrêt de seulement 2 semaines, c'est juste que j'avais 2 semaines de vacances ensuite, donc voilà. Ensuite, donc voilà, ma fin de pansement, c'était le jeudi 7 novembre 2019, donc ouais, ça m'a fait un mois et une semaine à peu près. Donc apparemment, c'était assez rapide, mais pour moi, ça m'a paru super long.
Bon, désolé si vous aimez pas les photos de plaies, mais là je vous montre un peu les images que j'ai pu prendre. Par contre, je voulais pas avoir avant le 24 octobre ma plaie, mais du coup je l'ai pas la plaie à vif en photo. Mais là vous avez un peu la chronologie hein, vite fait de la phase de cicatrisation. Tout se passe bien, je reprends ma petite vie et tout. Le chirurgien, pendant ses rendez-vous, là, il m'a dit, il m'a dit que finalement on n'allait pas réopérer, alors que après le bloc et tout, il m'avait dit qu'il allait m'opérer au mois de janvier. Mais quand je l'ai vu post-opératoire deux fois, il m'avait dit que non, il voyait pas de fistule, que sais-je encore, et il n'allait pas opérer. Donc moi, je me suis dit, ah! Finalement, c'est bon, j'ai pas besoin d'être deuxième opérée, je suis contente, nanana et tout, je profite de ma vie, nanana, je suis positive et tout, parce que vas-y, j'étais tellement déprimée avec cette convalescence là. Donc voilà, j'étais quand même contente et tout, mais bon, hein, ça a pas duré très longtemps, puisque ensuite on y va au 13, entre enfin, le 13, le 14 novembre, je commence à avoir un peu mal. Je me demande si c'est normal, je sais pas trop, je me pose des questions, je me dis peut-être c'est comme ça là, c'est comme ça que ça finit la cicatrisation et tout, je sais pas. Donc après le vendredi, le 15 novembre 2019, j'avais tellement mal que ça recommençait comme avant et tout. J'étais là en mode sérieusement. Et moi, du coup, je suis avec mon frère à l'hôpital et tout. Et là, on me dit que ça s'infecte bien. La plaie est super moche. De toute façon, j'essaierai de vous incruster des images et tout. Ça me prendra un peu plus de temps à monter. Mais comme ça, vous verrez la chronologie et la plaie, comment elle évolue. Et si ça vous arrive, et ben, vous saurez comment peut-être réagir. Contrairement à moi. Et donc là-bas, on m'éclate. On m'éclate la plaie. Il me dit que c'est infecté. Et le médecin vient et il l'éclate et tout. Je douille. Il me fait, je vous fais mal, je suis désolée, mais j'ai pas le choix, ça vous évite de passer au bloc et tout, nanana. Et j'avais douillé, mais ça a duré quelques instants, mais après j'étais soulagée, tu vois. Donc je fais voilà. Il me dit de repasser lundi pour qu'il check et tout, mais il n'a pas vu grand-chose. Il a juste regardé, il a fait ouais, ok, bon voilà, je suis un peu venue pour rien. Et il m'a dit d'avancer le rendez-vous que j'avais avec le chirurgien qui m'avait opéré. Donc je l'avance. Et j'ai pas noté quand la plaie s'est refermée. Mais ça a peut-être duré, ça a pas duré très longtemps, je crois. Mais voilà. Ensuite, vendredi 13 décembre, ça s'est réinfecté pour la deuxième fois, du coup. Et sauf cette fois-ci, j'avais tellement pas envie. J'étais là, je disais à ma grande soeur, j'ai pas envie d'aller à l'hôpital, j'ai pas envie d'aller à l'hôpital. Ils vont encore me faire mal à éclater le truc et tout. Et au final, ça s'est éclaté tout seul. Parce que je pense que la peau était tellement fine que ça a éclaté tout seul. Et à chaque fois que ça s'infectait, en fait, il y avait du pus qui sortait dégueulasse. Et voilà, donc chaque fois ma soeur elle mettait de la bétadine, elle me retirait le pus, je rappelais l'infirmière qui se déplaçait et venait chaque fois me faire les soins. J'ai eu un rendez-vous à l'hôpital et j'avais pas vu le chirurgien, c'était juste les infirmières qui m'ont fait le pansement, donc inutile. Et les soins sont arrêtés le 22 décembre. Donc ma plaie s'est infectée le 13 décembre et la peau s'est refermée le 22 décembre. Donc ouais, une petite semaine je crois ou deux, j'en sais rien. Ensuite on passe au mois de décembre. Donc du coup, comme je vous disais, attendez que je m'embrouille pas, ça s'était arrêté le 22 décembre. Et une semaine après, le 28, dans la nuit du 28 au 29 décembre, elle se réinfecte. Et moi je suis là, putain, ça me gonfle. Et les soins s'arrêtent le 3 janvier, donc ça a duré je crois une petite semaine aussi. J'ai rendez-vous à l'hôpital le 13 janvier et là, vraiment, à chaque fois, mon infirmière, elle disait que j'insiste pour que le chirurgien m'opère. Et lui me dit que c'est normal que ça s'infecte, c'est comme ça la cicatrisation, c'est normal. Bon, ok, il veut pas opérer, bref, je vous passe les détails de ce qu'il m'a raconté parce que voilà, c'était pas très intéressant. En gros, il disait que c'était normal que ça se réouvre autant de fois. Bon, je lui dis, il y a du pus, hein. Ouais, c'est normal, ok. Donc mon infirmière en mode ok, d'accord, bon. La plaie était fermée à cet instant-là et aussi il m'a dit que la plaie c'était trop ré... elle s'était fermée trop récemment pour qu'on fasse quoi que ce soit. Bref, la plaie se réouvre 3 jours après ce rendez-vous, le 16 janvier. Donc ça fait 4 fois déjà. Ouais, une mésaventure. Donc là mon infirmière me dit, je te conseille quand même d'aller demander un deuxième avis de chirurgien pour voir ce qu'ils vont te dire. Puisque elle... celle qui me voit tout, moi, voyait tout le temps, l'infirmière, elle me disait qu'il fallait enlever le kyste parce qu'il n'avait pas retiré le kyste. La deuxième infirmière, parce que ça, des fois, elle est en formation, donc du coup, c'est une autre qui vient.
Mon médecin généraliste disait tous que c'était le kyste et qu'il fallait franchement opérer parce que c'est pas normal. Donc je vais dans un autre hôpital en urgence et tout. Bon, ils examinent, je raconte 46 fois la même chose, mon histoire et tout ce qui s'est passé, nanana. Et là, ils me disent de prendre un rendez-vous, enfin, ils me donnent rendez-vous en consultation donc le 29 janvier, donc il n'y a pas très longtemps. La plaie s'est refermée le 26 janvier, j'ai eu rendez-vous le 29. Et là, j'ai rencontré, enfin, j'ai revu le chirurgien que j'avais vu aux urgences. Je ne sais pas si vous suivez tout ce que je dis, mais en tout cas, voilà, je l'ai revu. Et il m'a examiné, il m'a dit, ah, c'est fermé, ok, c'est okay. Okay, c'est bien et tout. On va voir pour programmer. Il voulait me mettre assez rapidement, puisque c'est une opération en soi qui est rapide. Mais sauf, il n'y avait pas de rendez-vous avec l'anesthésiste. Là, j'ai rendez-vous avec l'anesthésiste le 13 février. Et je me fais opérer le 26 février, du coup. Donc voilà tout ce qui s'est un peu passé jusque-là. Et en gros, il me disait que c'est vrai que c'est possible que la plaie se réouvre, mais autant de fois, voilà. Je lui ai dit oui, le chirurgien, il n'a pas enlevé le kyste et tout. Bon, voilà. Pour ça, là, je vous ai raconté vite toute la chronologie. Et niveau moral, c'était un peu pas facile, tu vois. Sachant que moi j'avais repris le sport en septembre, avant toute cette histoire, pour me remettre en forme, tout ça machin, parce que j'avais perdu 20 kilos, je les ai repris, je voulais les reperdre et tout. Donc ça m'a freiné, ça m'a mis un coup, moi j'avais bien le mort. Et depuis lors, j'ai diminué le sport, je faisais qu'une fois par semaine, puisque voilà, j'en fais encore, mais je sais pas trop en fait, tu vois. Donc j'en fais quand même un minimum, et on verra ça après l'opération. En tout cas, je suis pressée de me faire quand même réopérer. Mais en même temps pas trop, mais comme ça après je serai tranquille et je pourrai entamer ma vie, enfin reprendre ma vie à peu près normalement, sans trop d'inquiétude que ça serait ouf à chaque fois. Et si vous avez des questions par rapport à ça, vous n'hésitez pas en commentaire. Moi je vous ai dit un peu ce qui s'est passé pour moi. Il y a plein d'autres histoires différentes. Il y a des gens que ça va plus vite, il y a des gens que ça va plus lentement, il y a des gens. Bref, il se passe plein de choses. Peut-être que j'ai envie de penser aussi à faire une vidéo avec d'autres histoires d'autres gens. Bref, on verra. C'est un autre sujet encore. Mais en tout cas, voilà ce qui s'est passé. Je vous ai incrusté aussi pas mal de photos, je crois, de ma plaie et de l'évolution. Et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Niveau douleur, aussi, l'infection, ça fait mal. Enfin, quand ça commence à faire du pus, ça commence à me faire mal, mais après ça passe une fois que c'est éclaté, une fois que ça sort. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, tout ce qui s'est passé, je vous l'ai dit, niveau ouverture et fermeture de la plaie. Donc je me fais opérer le 26 et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux où je parle parfois. Et surtout que quand je vais me faire opérer, là, je sais pas trop à quel rythme je vais publier. En tout cas, c'est sûr, je vous ferai des stories Insta et Snap, genre, je suis au bout de ma vie. Non, mais je vous parlerai un peu et je vous vloguerai ça, mais voilà. Parce que moi, je fais essentiellement des vlogs. Donc, rejoignez-moi sur Insta, Snap, TikTok, parce que je suis de retour sur TikTok et je m'éclate plutôt pas mal. Et voilà, je vous ai tout dit. Et puis c'est tout, je crois que j'ai rien oublié. J'espère en tout cas. Je vous dis à dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et moi je vais me remettre sur pied et revenir d'attaque avec plein de positivité et la même joie de vivre, le même sourire, tout ça. Je vous fais des bisous. À dans une prochaine vidéo. Bye!